Monsieur, achetez mon croco, c'est de la chair fraîche. La chair fraîche? Ouais. Au-dessus de moi, là? Mais non, monsieur, dégage. Je vous jure. Allez, regardez, monsieur. Vous avez vu comme ils sont beaux, mes crocos? Venez par ici, on a du crocodile qui vient de Thaïlande, nous. Avec ça, vous pourrez vous faire une bonne soupe. Il est mort, ton crocodile? Oh, c'est pas vrai, je l'ai payé 300 yuan. Tu t'es fait avoir, je te le dis. C'est hors de question que j'achète un animal mort. Ah, ce truc est pas mort. Il n'est pas mort. Dégage-le-là! Attrapez-le! Et attrapez-le! Toi, tu passes à la casserole. Ce croco m'appartient. Amao! Amao! Je t'ai apporté à manger! Amao! Amao, viens, promis, ça pique pas trop! Amao! Amao!
Amao, tu veux à manger? Tiens, Amao. Mon bulletin! Amao! Amao, recule! Reste là, toi! Recule! Qu'est-ce que tu fais ici? Ces crocos ont tellement faim qu'ils mangeraient même des cailloux. Toi, tu bouges pas! Bonjour, vous êtes Monsieur Liu. On s'est parlé au téléphone, enchanté. Mettez-vous au travail, on n'a pas de temps à perdre. Il faut qu'on se dépêche. Allez! Wow, regardez tous ces crocodiles, j'y crois pas. Plus vite, Superman, plus vite. Toi, viens m'aider. Voilà, c'est bon. Sortez-le. Liu, pourquoi ils prennent tes crocos? Eux, ils pourront les nourrir. Ils vont leur donner de la viande à manger. Je leur vends mes bêtes. Et Amao aussi? Amao! Amao! Sauve-toi, Amao! Ils vont t'emmener! Va-t'en, Amao! Amao! Non! Amao, va-t'en! Amao! C'est quoi? L'anesthésiant, Chaozi. Prends. On va t'avoir. On va te faire la peau, sale bête. Monsieur Liu, pour le gros, on va vous laisser faire. Ok? Reste ici. Amao? Amao. 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 Tiens ça. Amao. Amao. Amao, tu veux venir jouer? Chaozi, qu'est-ce que tu attends? Ne vous inquiétez pas, monsieur Liu. Je vous assure, je vais bien m'en occuper. Ils manqueront de rien. On va même les gaver. Tenez, voilà votre argent. Au revoir. Monsieur Liu, ils viennent de la province de Guangdong. Ils vont tuer Amao et la manger.
Oui, je sais, vos boulettes de crocodile arrivent. Espèce d'imbécile, tiens. Quoi encore? On attend notre plat. Ça prend du temps de cuisiner un bon crocodile, vous savez, mais ça vient. Eh, servez-leur du thé en attendant. Mais plus de crocodile. Ça arrive. C'est pour aujourd'hui ou pour demain, vos crocodiles? Pas maintenant. Tu vas devoir attendre. Mes euros, chérie. Alors c'est vrai, t'as 100 000 euros là-dedans? Tu croyais que j'allais en Italie pour me tourner les pouces? Moi aussi, c'était dur ces 8 dernières années. Eh, pourquoi t'as pris de l'argent liquide? Si t'avais une carte, ça serait plus pratique. Une carte? Ouais. Je peux pas avoir à payer des frais à chaque fois que je l'utilise. Pour 100 000 euros, ce serait énorme. Et moi, j'aime bien le contact du billet. Alors du coup, je garde mes sous juste ici. Ah, messieurs! Vite, allez vous garer! Des tas de gens attendent leur plat! Dépêchez-vous un peu! Arrêtez de lambiner et remuez-vous! Ah, enfin! Liu a accepté de me vendre ses bêtes. J'ai acheté tout ce qu'il avait. 8 petits crocodiles et un gros, pour 70 000 yuan. Je ne comprendrai jamais Liu. Il tient à ses crocos comme à la prunelle de ses yeux. Il n'a jamais voulu me le vendre. Peu importe ce que je lui en offrais, ils sont à moi maintenant. Oui, oui. Et le gros, alors? Il est où? Ah, venez. Oh, faites très attention avec celui-là. Descends. Alors toi, ma vieille, ça va faire maintenant 20 ans que je te cherche. Elle pèse presque 2 tonnes. Comment vous faites? On va cuisiner tout ce qui se mange et on balancera le reste. Tiens, on a un groupe de 300 touristes qui arrivent demain. Ils vont se régaler avec ça. Est-ce que tu as de l'eau? Ouais, juste là. C'est à qui cette chose? Arrête-toi! Je peux tout t'expliquer. C'est pas possible! C'est ça que tu as fait pendant que j'étais en Italie, hein? Dégage! Ok, pas de problème. Qu'est-ce que tu fais? Reviens! Chaozi, où sont les autres? Ciao. Ciao. Une vraie passoire. Répète ça. Passoire? Où tu vas voir, toi? Où est ton relevé de notes? Alors? T'as eu combien de mauvaises notes? Où est ce bulletin? Dis-le-moi. C'est Amao qui l'a mangé. C'est qui, Amao? Pourquoi elle avait ton relevé? Amao, c'est le plus gros crocodile de Monsieur Liu.
J'en ai assez de tes mensonges. Ça suffit. C'est pas un mensonge. Arrête de raconter des bêtises. C'est vrai, Amaul a mangé. Et d'abord, qui t'a autorisé à y entrer? Tu peux me dire? Tu sais que t'as pas le droit. Wong, la passoire, tu m'embêtes toujours. Pourquoi tu vas pas chercher maman en Italie? Je te préviens, si je t'attrape... Encore raté, Wong, la passoire. Tu vas le regretter. Va te faire foutre! C'est pas la peine de revenir! Hey, ma grosse, on ferait mieux de s'occuper d'elle en premier, tu ne crois pas? D'accord, ça marche. C'est pas possible. Patron, le croco est parti. Il faut appeler la police. Mais ça va pas, on va quand même pas appeler la police. Tu es dingue ou quoi? Ils nous surveillent déjà bien assez. Mais j'ai une idée. On n'a qu'à faire comme si rien ne s'était passé. Ça marche? Allez, pleure pas, Choji. Tout va s'arranger. T'as bien notre frère, non? Papa, arrête, laisse-moi! Bouge pas! Je veux pas! Et pourquoi j'ai pas le droit d'aller me baigner? C'est les vacances, je peux jamais rien faire! Je peux pas regarder la télé, je peux pas jouer aux jeux vidéo, je peux rien faire! Je pars au travail. Et moi, papa, je fais quoi? Non, je veux pas compter les grains! Viens par ici. Papa, je veux pas compter les grains! Ça me pas question! Alors? Non! Il y en avait 5000 dans le sac. Maintenant, il en reste combien? Papa, non! Ouvre la porte! Laisse-moi sortir! Ouvre la porte! J'ai beaucoup de sous. Tout ira bien. Tout ira bien. J'ai beaucoup, beaucoup de sous.
Vous savez, madame, c'est un travail à risque, la cueillette du thé. Vous trouvez, vous ? Oui, je vous assure. Vous travaillez sous le soleil, ça provoque des cancers de la peau, et vous pourriez être électrocuté en cas d'orage. Mais si vous vous assurez pour 200 yuan, je vous garantis que vous passerez une très bonne année sans contrariété. Il faut que vous soyez assuré. Vous ferez quoi s'il vous arrive quelque chose? Ou si un crocodile veut vous manger? Hein? Il y a un crocodile! Ah! J'ai vu un croco! Là, juste ici! Un croco par ici? Oui, il était près du poteau! Un croco? Il a mangé mon sac! C'est tout ce qui me reste de mon sac! Alors, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Hein? Ah! J'ai perdu tous mes sous! Dites-moi, où est le commissariat? Ah oui, c'est par ici. Un crocodile! Tenez, remplissez ce formulaire. Vous travaillez avec elle? Je ne la connais même pas, je vous le promets! 69. Hé, hey, Chao-Ching! Bon, Chao-Ching, t'es là? Il a encore été puni! Qu'est-ce que tu viens faire ici, quoi? Tu comptes encore les grains de maïs? Oui. Guad, tu ferais mieux de mourir! Dépêchez-vous! Vous! Venez m'aider! J'ai vu un crocodile, il a mangé mon sac et tout ce qu'il y a dedans! C'est un petit sac, mais dedans, il y avait beaucoup d'argent! Vous imaginez, un petit sac comme ça dans le ventre d'un gros crocodile long d'au moins 10 mètres! Mes 100 000 euros sont coincés à l'intérieur d'un énorme coco vicieux! Bon. Vous comprenez rien, j'ai perdu mon argent et des euros enfin! Mes 100 000 euros! Asseyez-vous. Vous vous promeniez dans la campagne quand un crocodile a surgi. Oui, c'est ça! Il était énorme! Le plus gros que j'ai jamais vu! Il était si gros que ça? Montrez-moi. Il était long de là à là et large comme ça! Imaginez un peu! C'était un énorme croco! Et il a mangé mon sac et tout mon argent! 100 000 euros! Ça fait plus de 100 millions de yuan! Vraiment si gros que ça? Vous êtes sûr? Pourquoi je vous donnerais tous ces détails? Et pourquoi je vous mentirais? Il faut retrouver ce crocodile! D'abord, il faut que je prenne votre déposition. Asseyez-vous. Mais si on attend encore, il sera déjà parti loin! Vous avez bien une arme! Je peux retrouver mon argent! Vous n'avez qu'à tirer! Calmez-vous. Asseyez-vous là. Vous avez donc vu un crocodile très gros dans la plantation de thé. Il a mangé votre sac à main dans lequel se trouvait 100 000 euros, c'est ça? Excusez-moi, on pourrait pas retrouver ce croco avant de faire toute cette paperasse? Vos papiers? Ce monstre les a avalés! Le numéro de téléphone où je peux vous joindre? Ça aussi, le crocodile a mangé! Tout ce que je possède était dans ce sac! Papier, téléphone, argent! Il a tout avalé! Si vous avez peur de ce croco, donnez-moi votre arme et je vous assure que je réglerai cette histoire toute seule! De mon père. Pousse-toi. Allez, je plonge. Ah, ah. Oh, elle est fraîche quand même. Oh non, elle est super. Regarde. À moi. Ici, arrêtez-vous. Arrêtez-vous là. Ralentissez. Doucement. Oh. C'est par là. C'est juste ici que j'ai vu le crocodile. Il était là, il n'y a pas longtemps. Je suis sûre que c'est là. Il est parti par là. Et vous voyez ce poteau? C'est là que j'ai dû grimper pour y échapper. C'est ce que je m'acharne. Ensuite, il s'est enfui par là. Vous n'avez qu'à prendre une assurance à 100 yuan. Eux aussi, ils l'ont vu. Ils ont vu le crocodile. Demandez-leur. Madame? Oui? Vous avez vu un croco par ici? Quoi? Un croco? C'est trop dangereux. Est-ce qu'il était long comme ça et très gros? Oui, hein? C'est lui. Il est absolument énorme. Ah, vous voyez, il y a des risques dans votre métier. Vous l'avez vu? Pas vraiment.
Mais elle, elle l'a vu. Elle nous l'a raconté. C'est vrai, hein. J'ai vu un crocodile, je vous jure. Vous voyez. Et vous êtes? Pour tout vous dire, je suis assureur. Et vous? Crocodile. Policier. Très risqué. Vous savez, vous devriez prendre une assurance au cas où. On ne sait jamais s'il vous arrivait un pépin, une balle perdue ou un boulet de canon. Bon, ça suffit. Je l'ai vu traverser toute la plantation de thé il n'y a pas longtemps. Ces dames-là, ça va pas bien dans sa tête. Oh, j'ai retrouvé mes billets. 100 euros. Regardez, tenez. Vous voyez ça? Je vous ai pas menti, la preuve. Il y a un crocodile dans les parages. Et il a mangé mes sous. Mademoiselle, c'est juste du papier. Vous ne pouvez pas les utiliser. Ils sont faux. Bon, arrêtez vos histoires. J'ai du travail. Non, attendez. Alors, vous allez me lâcher. Attendez, j'ai trouvé un billet par terre. À votre avis, c'est un vrai ou un faux? Par terre. Et pourquoi pas dans le ventre d'un croco tant que vous y êtes? Vous, les femmes, vous êtes toutes les mêmes. Au revoir. Monsieur, croyez-moi, je suis pas folle, je vous jure. Il y avait vraiment un crocodile. Et il a vraiment mangé mon sac. Attendez-moi, il a mangé tout mon argent. 8 ans de salaire. Est-ce qu'il y a un parc à crocodiles dans le coin? Eliou, t'es revenu? Il te reste plus que ce bâton à crocodile? Allez, rentrez maintenant et arrêtez de traîner dans les rues comme ça. Jamais un crocodile me séparera de ma famille. Plutôt mourir. Tu le crois vraiment? Je pensais que tu t'amusais bien avec tes petites bêtes. Pourquoi t'es revenu? Réponds. Y a quelqu'un? Est-ce qu'un crocodile s'est échappé? Hé, qu'est-ce que vous faites? Même les dinosaures ont disparu, alors pourquoi pas les crocodiles? Quoi? Un crocodile? Je les ai tous vendus. À un type de Guangdong. Ils sont venus les chercher ce matin. Ils ont anesthésié le gros. Mais ils lui ont sanglé la mâchoire. C'est impossible. D'accord, d'accord. Je vous recontacte. Papa? Hmm? Viens, on rentre. D'accord. Maman! Vous avez toujours les crocodiles de Monsieur Liu? Bien sûr. Bien sûr qu'on les a. On a quitté la province de Zhejiang et on arrive à Fujian. Il faut vite qu'on aille à Fujian. Vous n'allez pas abandonner! Hé! Vous ne pouvez pas partir comme ça! Attendez! Non! Vous ne pouvez pas abandonner! J'ai mis 8 ans à gagner cet argent! S'il vous plaît, aidez-moi! C'était tout ce que j'avais! J'ai perdu toutes mes économies! Vous devriez partir. Je ne partirai pas! J'ai perdu mon fiancé et mon argent! Hé! Les hommes italiens respectent les femmes, eux! Pas vous! Les flics vont bientôt arriver. Les crocodiles, il faudrait les déplacer ou les cacher. Il faut laisser aucune preuve contre nous, ok? Tiens, Georgie, les affaires de ton frère, il faut les enterrer. Tu comprends ça? Allez, bougez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Hein?
Dinosaure, attention! Un dinosaure! Un dinosaure, attention! Allez, mais Vincent, toi! Vincent, on veut pas jouer avec toi! On est tout seul! On t'arrête, je... Tiens! Allez, pars! C'est quoi votre numéro de téléphone? C'est quoi? Dites-moi. Vous draguez les filles dès qu'elles sortent de votre bureau? Donnez-le-moi. Il est dans le ventre du croco, mon portable. Donnez-moi ça! Ça sonne! Ça marche! Ça sonne! Fonctionne! Si on le localise, on pourra retrouver la trace du crocodile! Votre téléphone, il marche même dans le ventre du croco, ça sonne vraiment. Je crois que vous devriez vraiment voir quelqu'un. Parce que tout ça, c'est dans la tête. Allez! Vous allez à Hangzhou? Oui, elle. Déposez-la à la gare. Ok. Venez, sinon vous devrez attendre demain pour partir. Tenez, un peu d'argent pour appeler votre famille. Je ne partirai pas avant d'avoir retrouvé mon argent. Votre argent, on le retrouvera pas. Si c'est si important, vous n'avez qu'à retourner en Italie. Allez. Non, j'irai pas. J'ai pris votre déposition, mademoiselle. On vous tiendra informé si on le retrouve. C'est inutile que vous restiez. Non ! Je veux retrouver ce crocodile ! Officier Wong ! Officier Wong ! Je crois qu'un de mes agneaux a disparu. Je l'attache tous les matins à côté du barrage, mais ce matin, je m'en occupe dès que je peux. Qu'est-ce que je vous disais ? Il y a un crocodile qui rôde ! Il a déjà mangé mes sous ! Bientôt, il va s'attaquer aux humains ! Lâchez-moi ! Je vais attraper ce crocodile et récupérer mes sous ! Lâchez-moi ! Arrêtez, vous faites quoi? Vous êtes folle! Si vous ne quittez pas la ville, je vous arrête pour outrage aux forces de l'ordre. Ne la laissez pas descendre. Officier Wong! Aidez-moi à retrouver mon agneau. Il était où? Près du barrage. Elle a sauté du mur. Je veux récupérer mes sous. Allez, le crocodile. Je veux mon argent. On va retrouver le crocodile. Allez, allez. Voilà, c'est là. Vous voyez? Regardez, le voleur a coupé la corde. C'est bizarre. Il n'y a pas eu de vol par ici depuis. Ça n'a pas été coupé, mais plutôt arraché. Mon agneau est tout petit. Il n'a pas pu couper une si grosse corde. C'est le crocodile! Je suis sûr que c'est le crocodile qui a dévoré votre agneau! Il n'y a pas de crocodile à Hangzhou, vous savez? Saloperie! Si je l'attrape, pour tuer! Et vous n'avez vu personne d'autre par ici? Si, j'ai vu votre fils, Zhang Jing, je crois. Et il se baignait avec d'autres gamins, là, près du barrage. Leurs vêtements sont encore là. Oh, ces garnements n'en font toujours qu'à leur tête. Et où ils sont passés? Vous tuez! Oh! Là! Il y a quelqu'un! Ah! Oh, on dirait un enfant! Ah! Il se noie! Monsieur Wong!
Pourquoi ? Wong ! Son prénom, vous le connaissez ? Wong la passoire, je crois. Wong la passoire ! C'est mon agneau, ça ! Le crocodile doit être dans le lac ! Sortez de là immédiatement ! Où est votre fils ? Ciao, Ting ! Mon fils, où t'étais ? Mais ça va pas, la tête ? Tu m'as fait très peur, tu sais. Papa, c'est le fou qui a déchiré tous mes vêtements. Je jure. C'est pas un mensonge, cette fois. Viens là. C'est rien. Papa, j'ai pas vraiment fini de compter les grains de maïs. C'est pas grave, tu sais. C'est pas grave, mon petit, t'en fais pas. Allez, viens, on rentre. Il faut pas qu'il me voie tout nu, papa. Tu rentres à la maison et tu sors pas. Je retourne au travail, d'accord? Je viens avec vous. Hors de question. Vous restez ici. Non, je viens avec vous. Retrouvez ce croco. C'est beaucoup trop dangereux. Je vais informer mon chef de la situation. Ne vous en faites pas, je vous préviens dès que j'en sais plus. Quoi? Je vous jure, je vous tiens au courant. Papa, c'est un Mao qui s'est échappé? Cha-Ching, surveille-la, il faut pas qu'elle s'en aille. T'inquiète pas, je me débrouille mieux que toi avec les filles. Hé! Hey, vous faites quoi, là? Bon, tu viens? Jiang, il me faut une arme. Et pour quoi faire? Un énorme crocodile s'est échappé. Je vais partir à sa recherche. Il n'y a que les policiers qui ont le droit de porter une arme à feu. Tu le sais bien. Tu préfères pas une batte de baseball? Jiang, c'est sérieux. Et l'autorisation? Le chef n'est pas là. Je te donne pas d'arme. Merci pour ton scooter. Ça urge à ce point-là? Tiens, voilà tes vêtements. Tu connais un crocodile qui s'appelle Amao? Bah oui, c'est ma copine. Ton amie, elle a mangé mes 100 000 euros. Mon père tient mieux que tu mens. Hé, hey, tu me crois pas? Si, je te crois. Mais je suis sûre qu'elle préférerait nettement quand je lui ai amené à manger, moi. Bon, je vais faire des pâtes pour le dîner. Voilà, c'est bon. Oh, j'ai un flic. On fait bon? Pas de soucis, celui-là est bon à rien. La passoire. Vous n'auriez pas? Ouais. Laissé échapper un crocodile? Bien sûr que non, on en a déjà pas assez. Si vous en voulez, on peut vous en faire. Vous avez acheté les crocodiles de Liu, n'est-ce pas? Le vieux chauve. J'ai jamais réussi à le convaincre de me vendre ces crocodiles. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je peux pas le forcer. Ici, on peut mettre un croco de 5 mètres. 3 mètres.
Et là? Là, 1m50. C'est très précis. C'est le métier. Et cette cage-là, elle peut contenir un croco d'au moins 10 mètres. 8 mètres au maximum, je vous assure. La viande d'un si gros crocodile doit être dure. Et les petits sont en prime. On l'a déjà mangé. Délicieux. Facile à digérer, en plus. Alors comment tu expliques ce trou dans le grillage? Est-ce qu'un croco s'est échappé? Réponds-moi! Tu as vu un gros crocodile? Hein? Réponds! T'as prêt à m'emmerder. Des vraies pâtes italiennes. C'est des pâtes, ça? Oui. C'est ta recette préférée? Oui, c'est une recette italienne. Ma mère habite en Italie. Ta mère habite en Italie? Oui. Moi aussi, je connais bien l'Italie. Cette bête est très dangereuse. Elle s'attaquerait à n'importe qui, même à moi. Où est-ce qu'elle a été vue pour la dernière fois? Elle s'est échappée du restaurant de Zao. Et ensuite, quelqu'un l'a vue sur la route, dans les plantations. Et après, elle était près du barrage, dans le village. Je vois. Tous ces endroits se trouvent sur le chemin pour aller au parc à crocodiles. Elle essaye d'y retourner. Elle va sûrement pondre ses œufs. La maison est aussi sur ce chemin. J'arrive, attendez-moi. Si tu veux, la prochaine fois, je t'emmènerai manger dans un vrai restaurant italien. Non, je veux pas. Pas question. Allô? Wen Yan? C'est qui ça? C'est pour moi! Donne! Oui? Maman? Pourquoi tu n'as pas répondu quand je t'ai appelée? Retrouve-moi au commissariat! Dépêche-toi! On n'a pas fini! Non, maman! Je ne peux pas rentrer à la maison! J'ai perdu tout mon argent! J'ai trop honte de rentrer! Sans mon argent, je préfère mourir. Maman, écoute-moi. Soit ce crocodile me tue, soit c'est moi qui le tue. J'abandonnerai pas en tout cas. Policier s'il a attrapé le croco. Salut. Allô? Allô, Gertjing? Papa! Le crocodile se dirige vers le parc et il va sûrement passer près de la maison. C'est très dangereux. Mon fils est avec vous. Il est où? Amao? Allô? Répondez! Répondez! Allô? Toi.
Le croco, où il est? Il est énervé alors. Ma vie, oui. Sinon, comment vous expliquer qu'elle ait pu arracher cette grosse corde? Croyez-moi, je connais bien les crocodiles depuis le temps. Je travaille avec eux depuis 10 ans. Est-ce qu'elle a attaqué quelqu'un? Non. Bon. Bien sûr que non, personne. Qu'est-ce que tu fais là? On n'a plus d'eau en salle de réunion. Je m'en occupe dans 5 minutes. Fais-le maintenant. Le capitaine a soif. Ah, vous savez, je peux repasser un peu plus tard. Occupez-vous du capitaine. On n'a pas fini. Vous bougez pas de là. C'est compris? D'accord. Ne vous inquiétez pas, hein. Vous aurez tout le loisir de m'arrêter si jamais j'ai enfreint la loi. Mais j'en doute, honnêtement. Bonjour. Vous êtes spécialiste, c'est ça? Bon, disons que j'aime bien le crocodile. Parlez-moi de son système digestif. Oh, ce n'est pas très bon. Très amer. Ça vaut pas le coup. Non, c'est de leur digestion que je voulais parler. Leur crotte ressemble à des petits tas de sable. Et vous, pourquoi ça vous intéresse de savoir tout ça? Ils ont un très bon système digestif. Leur estomac est divisé en 2 poches. C'est très sophistiqué. Un bout de papier à digérer. Combien de temps il lui faut? Et en quelques heures à peine, c'est digéré et expulsé de l'autre côté. Ouais, mon bulletin de notes, c'est du caca. Et de l'argent? Ça, je ne sais pas. Ça dépend. Quel type de billet c'était? S'il mange des yuans? C'est plus facile à digérer que des dollars ou des euros. Ça, c'est sûr. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont plus de valeur. T'es un petit malin, toi. Hein? T'as des euros? Amoa a mangé 100 000 euros. Va te coucher, file. Le crocodile que l'on recherche mesure 8 mètres. C'est une femelle. C'est pas trop tôt. Elle pèse environ 2 tonnes. Vite. Elle est très dangereuse. L'armée est arrivée aujourd'hui en renfort, afin de mettre en place un périmètre de sécurité pour protéger les habitants. Des messages radio sont diffusés pour informer la population des mesures de sécurité. Une équipe de forces spéciales partira en expédition dans les montagnes. Afin de protéger au mieux les habitants, l'armée et moi avons décidé, face à cette situation d'urgence, que tous les policiers porteront dès à présent une arme. Oh. Messieurs, 100 000 euros, ça fait 1 million de yuan, vous savez? Tout ça, c'est dans le ventre du croco. Si on arrive à attraper cette bête, l'argent sera à nous. Moi, il me fait un peu peur, ce croco. Ouais. Sa bouche est énorme. Ils ont raison. Et si on n'y arrive pas? Et qu'on se fait manger? Arrête de dire des bêtises, toi! Si le crocodile te dévorait, au moins tu dormirais avec l'argent près de toi pour le reste de ta vie. Les crocodiles, plus c'est gros, plus c'est bête. Exactement comme lui, là. La nuit, les crocodiles dorment profondément. On n'aura qu'à lui sauter dessus et lui ouvrir le ventre en deux avant que cet argent ne soit transformé en excréments. Patron! Vous pouvez compter sur moi! Je veux venger la mort de mon frère. Oh là là, exactement. Tu vas venger ton frère. La vengeance, c'est important. Mais l'argent aussi, n'oublie pas. L'argent. Aux armes, messieurs! Tu viens chercher une arme, toi aussi? Oui. C'est fini. Quoi? Et là, il y a encore un pistolet. La passoire. Même si tu avais un flingue, tu servirais à quoi? Je t'ai jamais vu atteindre ta cible. Arrête, c'est pas vrai. Pas complètement, et tu le sais. Et puis tous les jours, je m'entraîne à tirer dans les jeux vidéo. Jiang, son arme. On sait jamais. La passoire, t'approche pas trop près du crocodile pour le tuer. Cette fois, c'est pas un jeu. Les crocos, c'est dangereux. Ça ira.
pouvez pas circuler, faites demi-tour. Où est Zao? Eh bien, il est parti, je crois. C'est pas vrai. Oh, j'avais pas fini. Le capitaine a dit que dès demain matin, une équipe partirait à la recherche du crocodile. Tout est bloqué. Cet argent, j'ai mis 8 ans à le gagner. Jour après jour, j'ai travaillé. J'ai travaillé dur pour le gagner. Toute ma vie, mon avenir dépendait de cet argent. La vie est injuste. J'ai perdu l'argent qui devait me permettre d'être heureuse. Il aurait dû me manger aussi. Lâchez-moi maintenant. Si les gens nous voient, ils vont se faire des idées. Allez. Désolée. Je vous demande pardon. Je m'en vais. Hé. Rendez-moi ça. Non! S'il vous plaît, laissez-moi, je vais aller tuer ce crocodile. J'ai pas peur, je vais y aller. Je vais le tuer avant que mon argent soit devenu un gros tas d'excréments. Vous savez quelle taille il fait? 8 mètres. Imaginez un peu sa force. Vous ne pouvez rien faire avec un pistolet. Ça suffit. C'est dangereux. J'ai plus d'argent. J'ai plus de fiancé. J'ai plus rien. 8 ans, c'est pas vrai. Vite, dépêchez-vous. Allez. Éclaire-moi, imbécile. Attention. Regardez, la barque est là. C'est bon. T'es dedans. Mais je rame, je rame. T'es vraiment attention, bête, on va basculer. Hein, on avance. Il y a des pagaies pour ça. Là, on n'arrivera pas. Quand Zhao Qing est né, sa mère est partie en Italie. Quand je travaillais, j'emmenais avec moi et il dormait. À cette époque, tout le monde m'appelait le babysitter. C'était mieux que le surnom qu'on me donne maintenant. Vous savez ce que c'est? La passoire. Wang la passoire. Parce que je sais pas tirer. Au moins, j'ai mon fils. Vous savez, votre vie n'est pas fichue. Ma situation est pire que la vôtre. Si vous m'aidez à retrouver mon argent, je vous promets que je vous aiderai à retrouver votre femme. Ça, c'est impossible. Pour votre argent, on peut encore faire quelque chose. Je vous promets qu'on le retrouvera. Ce crocodile ne digère pas très bien, apparemment. Merci. Je vous emmène à l'hôtel. Je peux dormir ici cette nuit. Papa, dis-moi où tu vas. Un crocodile s'est échappé. Je dois retourner à Hangzhou. Papa! Ton père finira par se faire tuer. Rentre maintenant. Arrêtez de pagayer, bande d'idiots, on y est. Souvenez-vous, la nuit, les yeux du crocodile brillent comme 2 petites lanternes rouges. Là-bas, 2 petites lanternes rouges. Où ça? Où ça? Là-bas. Ouais. Je l'ai eu. Des sous. Le crocodile. J'ai rien fait. On n'a rien fait. C'est ça. Fous-toi de moi tant que t'y es. Attendez! Attendez-moi, patron!
Monsieur Wang? Monsieur Liu? Je croyais que vous étiez à Pékin. J'y étais. J'ai pris le dernier avion hier soir pour revenir. Alors, est-ce que vous avez retrouvé Amao? Monsieur l'agent! Je veux porter plainte. Quelqu'un a essayé de nous cambrioler. On tripotait tous les deux dans la voiture hier soir, quand tout à coup... On est mariés, j'ai l'habitude. Quand tout à coup, bang, comme ça, quelqu'un a tiré un coup de feu et ils sont sortis de nulle part. J'ai remarqué que l'un d'entre eux portait un t-shirt de Superman. Et son visage, vous l'avez vu, dites-moi? Oui, et il portait aussi une toque. Comme les cuisiniers. Les hommes de Zhao. Patron! Patron! Où est-ce que vous nous avez traînés? Quoi? Arrête, imbécile! Les crocos aiment ce genre d'endroit. On est là pour trouver l'argent. Oh. Attendez-moi! Vite, vite, on se dépêche! Allez, tout le monde en place! Vous voyez ce crocodile? Gardez votre calme. Donc, la passoire? Vous allez faire équipe avec l'agent Zhang. Oui, capitaine. Et faites attention avec ce pistolet. D'accord. Et moi? Vous, restez ici. Bien, capitaine. Attendez, je viens avec vous. Hors de question. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider à retrouver votre argent, mademoiselle. Serrez les rangs. Prenez soin de mon fils. Yo, montez dans la voiture. D'accord. Zhao Qing. Zhao Qing. Réveille-toi. Réveille-toi. Dépêche-toi, ils ont retrouvé Amao. Hein? C'est vrai? Oui. Wenyan, où est Amao? Apparemment, elle est de l'autre côté de la montagne. Il faut y aller. Tu veux l'attraper? Ils sont armés, regarde. S'ils la retrouvent, ils vont la tuer. On peut pas laisser faire ça. Dépêche-toi! On va où? Par là! Cours! Wenyan! Si on trouve Amao, comment tu vas faire pour récupérer ton argent? S'il le faut, j'irai le chercher au fond de ta gueule! Les crocodiles n'ont pas beaucoup d'endurance, mais ils sont très rapides et très puissants. En plus, c'est la saison des amours. Elle est encore plus dangereuse. Amao! 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 Encore une chose. Si jamais vous tombez sur ce crocodile, mettez-vous bien en face de lui. En face? C'est pas dangereux? Elle ne peut pas attaquer ce qui se trouve face à elle. Chef, au secours! Quoi? Patron, Zhao Di, on dirait qu'il a disparu, il est plus là. Oh, dites-vous, vous pensez que... qu'il a pu se faire manger? Mais qu'est-ce que tu attends? Va le retrouver! Zhao Qing, j'ai marché sur Amao. Patron! Patron! Regardez! Qu'est-ce que c'est, là? Tais-toi un peu, imbécile! Je vais te montrer comment faire. Ah ah, c'est le croco! Courez! Ah, oui, qu'est-ce que c'est? Au secours! N'importe quoi, c'est juste une machette! Le crocodile! Vite! Mademoiselle, vous courez après le crocodile? Vous accordez trop d'importance à l'argent! Vite! Amao! Amao, vite! Elle est passée par là. Regardez, des empreintes juste là.
Là ? Ah ! Oh ! Oh ! Le croco a plongé dans le lac. Il faut trouver un moyen pour l'attirer hors du lac. On peut se servir de cette charpente métallique. Trouver un appât et une corde. On le suspend à l'échafaudage, ça le fera venir. Mais patron, où est-ce qu'on va trouver un appât? Chao Ching. Va-t'en! Cours! Laissez-le tranquille! Faites pas ça! Ne vous inquiétez pas, on ne lui fera pas de mal. Nous, on ne lui fera rien, je vous le garantis. Arrête, non! Tout ce qu'on veut, c'est le croco. On te libère dès que le croco est sorti. Relâchez-le! Prenez-moi la place! Mais ne lui faites pas de mal! D'accord, attachez-la aussi alors! Arrêtez, vous allez avoir des ennuis! Son père est policier! Il sera là d'une minute à l'autre! C'est pas Wong, la passoire, qui me fera peur. Dès que j'ai les 100 000 euros, j'ouvre un restaurant en Thaïlande! Attends un peu que le croco arrive! Ah! Cachez-vous, vite! Je vous en supplie! Elle va bientôt sortir de l'eau! Papa! Au secours! Aide-moi! C'est mon fils! Qu'est-ce qu'il te prend? Vous pensez que le croco va tomber dans le piège? C'est ce que j'espère. Mais j'ai une idée, tu vas faire comme Liu avec son bâton sur l'eau. Il faut l'attirer. Vous êtes certain? Oui, je suis sûr. Ça va marcher? Oui. D'accord, oui. Hé, hey, fais deux longs et deux courts! Deux longs, deux courts, c'est bien ça. Pourquoi c'est moi qui m'y colle? Hé, hey, j'ai une idée, patron. Je monte tout en haut, dès que le croc sort, je lance le filet pour l'attraper. Eh bien, dans ce cas, fais comme bon te semble, d'accord? Allez, monte. Vite! Comment, je me rappelle plus? Amao, espèce d'imbécile! Amao, je t'en supplie, ne sors pas de là, Amao, pas maintenant! Amao! Tirez, patron! Juan, lance le filet vite! Dépêche-toi! Va-t'en! Ne mange pas, Amao! Non, Amao! Au secours! Amao. 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 Amao, va-t'en. Chao Ching.
fait non, mal. Non, je vais bien. Hein? Papa. Où est Amao? Mettez mon fils à l'abri. Liu, où est-elle? Sur l'autre rive. Dans la voiture. J'arrive. Vous n'abandonnez jamais, dites-moi. C'est votre promesse. Papa, tu pars à Mao. Attention! Capitaine, où est mon fils? Dans votre voiture. Vous, suivez-moi. Vous, restez ici. On y va. Papa, est-ce que vous allez tuer Amao? Elle a mordu des gens. Elle les a mordus parce qu'ils sont méchants. Je sais bien. Mais c'est pas une raison. Elle a pas fait exprès, j'en suis sûre. À moi, elle m'a rien fait. Papa, s'il te plaît, écoute-moi. Nos lecteurs aimeraient comprendre. Comment ça s'est passé? Avez-vous été blessé? Qu'a fait la police pour vous aider? Vous pensez pouvoir récupérer cet argent? Nos lecteurs veulent comprendre, expliquez-nous! Inspecteur? Inspecteur, je sais comment localiser le croco. Qui est-ce? Monsieur Wong, c'est un de mes hommes, inspecteur. Bien, quelle est votre idée, Wong? Le GPS. Le GPS? Mon téléphone est dans le ventre du crocodile! J'ai essayé d'appeler, ça fonctionnait. Signal satellite repéré, la créature se trouve au milieu du lac. Agrandissez. Prévenez Wong. Il faut que cette bête sorte du grand lac pour aller dans le petit. Dites-le-lui. Amao ? Amao ? Amao ? Amao ? Wenyan, tu sais, ils retrouveront pas Amao. Elle est pas aussi bête que ça, c'est sûr. On a perdu le contact. Qu'est-ce qui se passe? La batterie est faible, j'imagine. Je comprends pas pourquoi ils voulaient nous faire rentrer au port. Alors? Vous avez trouvé Amao? J'arrive pas à me faire à l'idée. Je n'ai plus d'argent, même si on retrouve Amao. Tu sais, Wenyan, Amao ne digère pas très bien. Garde espoir.
Des gens se font attaquer. Regardez, ne bougez pas d'ici. Attention, c'est moi. Au secours. À l'aide. Au secours, à l'aide. Par ici. Recule. Amao, non. Amao. Amao, reste où tu es. Reste là. Reste là. Les experts disent qu'un crocodile de cette taille doit avoir une mâchoire très puissante, d'une force supérieure à 50 000 newtons. En clair, elle réduit en miettes tout ce qu'elle mord. Toutes les autorités sont en alerte depuis que l'animal a été localisé en liberté dans le Grand Lac. Des centaines de policiers sont déployés ici et même l'armée s'est déplacée. Une autre source a indiqué que ce crocodile de 2 tonnes s'est échappé d'un restaurant. Il a tué le chef cuisinier chargé de l'abattre. Le tueur de crocodile se fait tuer par un crocodile. Voilà son châtiment. L'accès au Grand Lac est fermé depuis 6 heures. Les journalistes attendent désormais sur le pont adjacent qui est d'habitude couvert de monde. Il n'y a plus un seul bateau sur le lac non plus. J'apprends à l'instant que le crocodile vient d'être repéré après... Liu, est-ce que vous avez un autre plan? Dites-moi. Elle va pondre ses œufs sur la rive. Wang, vous tirez bien? Oui, pas de problème. Je sais comment la tirer sur la rive. Je la ligoterai, si tout se passe bien. En cas de problème, je compte sur vous et vos talents. Amao et moi sommes liés. Les crocodiles sont tous, sauf des animaux à sang-froid. Tenez, elle m'a mordu. En 1997, je l'avais présentée à une grande exposition de crocodiles. Un jour, elle m'a pris dans sa gueule. Mais si elle avait vraiment eu l'intention de me dévorer, je serais mort à l'heure qu'il est. Elle ne veut pas me faire de mal. Il faut trouver un endroit désert pour qu'elle ne blesse personne. On va la tirer. Allons-y. Hé ! C'est dangereux. Restez ici. Je ne veux plus de cet argent. Ne vous inquiétez pas. Je vous ai promis. Papa, tue pas Amao! Faites attention! Pardon, il y a un crocodile dans chez moi. Il est dangereux. Fais attention. Amao. Amao. Du calme. On y va. Viens, Amao. On rentre à la maison. Bien, on rentre. Amao. Crocodile est là. Quoi, un crocodile? Il est juste derrière la baraque. Où ça? Je le vois. Où? Où ça? Wenyan, j'ai vu Amao. Où ça?
À Mao. À Mao. Elle n'aime pas les étrangers. Elle doit se cacher quelque part. Je vais aller dans l'eau. Non, Liu, ne faites pas ça. Ça va aller. Elle ne me fera pas de mal. Je monte sur la berge. Et je l'attire jusqu'à moi. Si elle ne m'écoute pas, vous, vous lui tirez une balle dans la mâchoire supérieure. C'est là qu'est son cerveau. Et c'est une zone fragile. Maintenant, je compte sur vous. Amao, viens là. Amao. Amao. Allez, Amao, viens avec moi. Viens, Mao. Papa ! Amao. Amao. Regarde, c'est Amao. Amao, calme-toi. C'est rien, ma belle. Je te ramène à la maison. Je te quitterai plus jamais, c'est promis. Tu ne crains rien. Wong, visez le cerveau.
hein. Tiens. Et voilà les pâtes. Des spaghettis à la Wong, ma spécialité. J'en ai encore un. Ah ouais, et tu pourrais pas m'acheter une console, non? Allez, arrête de jouer, viens te mettre à table. Wong, la passoire. Bien joué. Tais-toi. Tiens. Mange tes pâtes.